Bonjour à tous, bienvenue à tous à la Payeur 46, le premier de l'année. Qui vient à Clermont Tech pour la première fois? Deux personnes, ok. L'association est articulée autour d'un manifeste qui sont le partage. Le but des APIR, c'est donc faire un partage de connaissances avec les APIR ou d'autres événements qu'on organise, tels que les workshops. C'est une ouverture, on n'est pas un user group sur une technologie particulière. On parle de tout, on parle de technologie, mais aussi, par exemple, de bonnes pratiques. On a eu de l'allaitement au travail, je pense que c'est le talk le plus sympa qu'on ait eu Clermont Tech, à mon avis. L'indépendance, on est une association complètement indépendante, donc on a des supports, enfin des aides financières d'entreprises qui nous sponsorisent, mais elles ne vont jamais nous dicter nos choix éditoriaux de l'association. Et bien sûr, il y a le respect de la personne qui vient de parler. On est une association avant tout, c'est des personnes qui viennent, qui sont amateurs, qui viennent parler. Donc, qui font l'effort de venir, de préparer quelque chose. Donc, c'est important de respecter ce qu'ils disent et aussi aux speakers d'essayer de faire une bonne présentation pour les personnes qui sont venues l'écouter. Du coup, nous, ce soir, ce sont des APER. C'est aujourd'hui 3 talks. Ça dure environ 1h30, sans défaut, sans problème technique. On a 50 personnes max. Pour garder un côté convivial. Les lieux et les jours varient dans la semaine. Les vidéos sont à peu près en ligne, il y a toujours un peu de retard, mais souvent il y a le stream au moins qui est là, s'il n'y a pas le découpage. Et on fait ça toutes les 6 à 8 semaines, entre le dernier et celui-ci, on a eu un peu plus de temps, mais voilà. Et bien sûr, après la pay hour, il y a la pay hour, on vous offre un buffet. Du coup, on a un ambassadeur, donc s'il y a quelqu'un qui est exempté de ramasser, et du coup, si vous avez des questions, si vous avez envie de parler à Clermont Tech, vous pouvez vous approcher de l'ambassadeur. On ne l'a pas choisi, donc ce sera moi. Voilà.
Et du coup, les APE ne fonctionnent que si vous venez parler. Donc, il n'y a aucun sujet qui est stupide. N'hésitez pas à venir parler. Si vous avez fait un truc dans votre entreprise, vous êtes fier de quelque chose, vous avez gratté un peu de temps sur la doc, vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas à venir nous envoyer un mail. Et on peut aussi fournir du mentoring. Donc, si c'est la première fois que vous parlez, des anciens speakers peuvent vous aider à vous préparer. Donc ça, on peut vous aider. Et il y a aussi une wishlist qui est à peu près à jour, un peu moins maintenant. Ou si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez regarder là-dedans. Mais s'il y a quelque chose que vous avez fait qui match avec la wishlist, on sera heureux de vous accueillir pour un talk. Grande nouvelle, on fait le retour des Code & Coffee. Donc c'est quelque chose que l'association avait commencé il y a un petit moment, qui a été en pause pendant très longtemps. L'idée, c'est que les samedis matins à 10h, on se réunit. Et soit on prend juste un café, soit on peut parler tech ou parler n'importe quoi, c'est juste un moment sympathique. Donc le premier de la nouvelle génération se fera le samedi 7 mars. L'heure, ce sera 10h, le lieu ne sera pas encore communiqué, mais ça je vous le dirai dans les prochains jours, je serai présent. Et l'idée c'est que là on va parler un peu de PGP, si personne a des idées, et forger les clés PGP, essayer de s'envoyer des mails chiffrés, ça peut être sympa. Mais si vous avez d'autres sujets ou envie de parler d'autres choses, n'hésitez pas. Il n'y a rien de formel. On a aussi les Clermont Tech Groups. Si vous avez envie de monter un groupe, Clermont Tech peut vous aider avec du matériel, avec des salles, puisqu'on a des liens avec la mairie. Donc n'hésitez pas. Ou sinon, vous pouvez faire comme plusieurs groupes qui se sont faits, monter votre propre association, il n'y a aucun souci. Mais on peut en tout cas venir vous donner des conseils, comment monter l'assaut, le job aussi, généralement, contre une bière, on est prêt à vous aider. En remercier aussi nos sponsors qui nous soutiennent depuis de nombreuses années et qui permettent de vous payer le buffet et d'autres choses comme le repas des speakers. Parce que si on est parlé à Clermont Tech, on vous paye le repas des speakers en fin d'année. Il y a Le Planète, c'est le site sur planète.clermonttech.org où il y a à peu près tous les éléments tech qui sont réunis dessus. Les plus gros user groups essayent de le mettre à jour, sauf le dernier où il y a le double jug. Mais... Du coup, c'est quand le prochain jug? Le 20. Le 20. Jeudi 20. Sur? Sur Micronautes et Gravel. Ok. Double jug. Double jug. Ah, c'est la grande mode maintenant. Et on a aussi le Platidex. Donc, si vous avez des. Si vous savez faire un peu de design ou si vous savez faire quelque chose, n'hésitez pas à nous faire des propositions pour modifier notre mascotte. On en fait des t-shirts, des stickers, donc voilà. N'hésitez pas à contribuer sur github.com, il y a un repo pour ça. Et du coup, merci à Turing22 pour la salle. Voilà. Au menu Sigma Lambda Pi, une présentation de framboise, c'est ça à peu près, par Christophe et Florian. Claire Limit, par moi, du coup. Et après, enquête numérique par Rémi. Pour participer, n'hésitez pas à envoyer des tweets sur PR46. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur notre mailing list sur Clermont Tech, sur les Google Group ou sur Twitter. On communique comme ça. Voilà. Je vous laisse ramasser des framboises. Voilà. Je vais l'arrêter. Hein? Oh, je vais chercher le backup. Ça a marché? Ouais, je sais.
Surtout quand on parle d'écran. Christophe, c'est un hommage au jug. C'est pour les 15 minutes de retard obligatoire. C'est ça. Ah, c'était sympa. Mais... Allez, bien. Chercher le backup. Ça ne pas, ça a marché deux secondes. Prépare le backup au cas où. Bon, il est juste à nous dire après, c'est bon. Ah. Et voilà. Bon, désolé, on n'est pas informaticien. Et sans forcer. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de Sigma Lambda Pi. C'est un nom un petit peu barbare. C'est un produit qu'on a créé chez Almeris. En 30 minutes, on va essayer de parler hardware, ingénierie, Raspberry Pi, réseau, impression 3D, un peu de C, un peu de Go, et même la création d'un OS. Ça va être dense. Voilà, donc du coup, je vous présente Christophe Prugnot, responsable de l'architecture entreprise pour le groupe BeWise et membre du LavaJug, comme son souhait le montre si bien. Et donc, je suis accompagné de Florian Forestier, qui a déjà fait un talk ici, qui est étudiant à l'Institut informatique ISIMA en Master 2 et qui fait une alternance chez Almeris. Donc Sigma Lambda Pi, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est ça. C'est la boîte qu'on a emmenée là. Vous pourrez la voir à la fin et puis bien voir un peu ce qu'on a fait. C'est une appliance qui fait des choses. Voilà, alors d'où est venue l'idée de faire Sigma Lambda Pi? En fait, en juin 2019, le Raspberry Pi 4 est sorti au public, et donc du coup, on s'est dit entre nous que ça serait sympa en fait de faire ce que tout le monde fait déjà, savoir un cluster de Raspberry Pi 4, parce qu'on avait envie de le faire. Donc on est allé voir Christophe, et Christophe nous a dit que c'était sympa l'idée, mais qu'on n'avait aucun objectif derrière, et que donc, ça n'allait pas le faire. Voilà, on avait quand même d'autres choses à faire. Puis de toute façon, il y avait pénurie mondiale de Raspberry, donc au moins le souci était réglé. Mais quoi qu'il en soit, en août, les Raspberry sont devenus à nouveau accessibles à la vente, et donc du coup, on est retourné voir Christophe, et pour que ça passe un peu mieux, on s'est dit, écoute, nous, on a eu une idée de choses que les gens n'ont pas fait avant, c'est qu'on va tenter de le mettre dans un rack de U, et puis de tenter de faire un petit peu de Green IT, donc de réussir à éteindre les machines quand il n'y a pas de demande, et puis les monter à la volée quand il y en a besoin. Et il nous a dit, toujours pareil, que bon, il n'y avait pas de retour particulier pour l'entreprise, et qu'on avait quand même d'autres choses à faire, quoi. Mais on n'a pas cédé, et on est retourné voir trois jours après en lui disant « On a regardé ce qui se fait un petit peu autour, et puis on pense qu'on pourrait quand même apporter quelque chose à la recherche, et puis ça peut faire du cire, et puis surtout ça sera fun en fait pour l'équipe, parce que ça va faire un projet un petit peu annexe. » Et du coup, devant le dernier argument imparable de « ça sera fun », il a accepté, et donc du coup, on se retrouve là ce soir. Je suis naïf. Du coup, pourquoi ce nom? Alors, on a passé trois jours à trouver le nom déjà. Sigma, bah, en maths, hein, la somme. La somme de lambda, c'est on baigne dedans, hein, nos lambda function. Et pi, parce qu'on a mis des Raspberry Pi, mais il faut savoir que pi, ça vient de Python. Donc, désolé pour le signe pi, on a un peu abîmé. Et du coup, ça résume bien clustering de pi pour faire du FAS. Si on charge bien, ça passe. Hein. Somme de lambda sur de pi. Et puis surtout, quand on rétroéclaire en bleu, c'est super classe. D'accord? Alors du coup, on avait bien évidemment plusieurs objectifs, comme je vous l'ai dit à l'instant. Le premier, c'est de faire du Function as a Service et en Green IT. Donc le faire en Green IT, ça implique plusieurs choses, notamment d'avoir la consommation énergétique qui va être la plus faible possible, et également de pouvoir réutiliser du matériel. C'est-à-dire que lorsque du matériel va tomber en panne ou lorsqu'on va avoir besoin de le faire évoluer, on ne va pas être obligé de mettre tout le cluster à la poubelle et de tout recommencer. Là, on va pouvoir démonter pièce par pièce et réparer ce qui tombe en panne ou faire évoluer ce qu'on a besoin de faire évoluer. Du coup, on a plusieurs innovations à l'arrière. On a dû déjà industrialiser le processus. Il y a beaucoup de gens qui adorent cette phrase-là. En créant un cluster avec du matériel qui est simple et qui est robuste, et le tout contenu dans le rack de U qui est juste ici. Et du coup, après, en Green IT, donc en fait, comment on s'est dit qu'on allait faire du Green IT, on a décidé qu'en fait, on allait descendre le principe de on-demand jusqu'au niveau physique. Donc en fait, éteindre les machines quand elles ne sont pas utilisées et les monter quand on commence à avoir de la charge. Du point de vue de l'organisation, c'est environ 9 personnes, réparties au total, ça fait 250 heures sur 3 mois, donc c'est pas non plus énorme. Et du coup, un dossier crédien pour recherche, parce qu'il fallait bien trouver une raison de le faire.
Les challenges, du coup, on avait plusieurs challenges du point de vue hardware. Alors là, j'ai fait une liste, elle est relativement exhaustive. Déjà, il fallait faire tout ce qui est schéma électrique, le câblage. Il fallait faire le choix du matériel et puis tout intégrer correctement. Je suis désolé, je ne le connais pas par cœur. Concevoir toutes les pièces 3D qui manquaient, parce que forcément, mettre des Raspberry Pi dans un cluster, dans un rack de U, c'est pas natif. Donc il a fallu qu'on fasse l'ingénierie vraiment du point de vue des pièces. Monter le cluster, et puis ensuite, dans le cadre de faire quelque chose de robuste, on s'est dit que c'était une mauvaise idée de mettre des cartes micro SD, parce que ça a tendance à mourir assez vite. Et en plus, sur les Raspberry Pi 4, ils ont eu la bonne idée de mettre le port de carte SD juste à côté du processeur qui a tendance à bien chauffer, donc ça finit de les détruire au niveau du réduit. Et bien évidemment, vu qu'on veut que ce soit une appliance, il faut qu'il y ait le moins de connectiques possible. Donc on s'est dit, il nous faut une entrée RJ45, une entrée de 120 volts, et puis terminé. Il nous faut rien d'autre. Du point de vue software, il fallait qu'on puisse faire démarrer les Raspberry Pi en LAN. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de carte SD, donc aucun endroit où stocker le système d'exploitation. Donc il fallait trouver moyen de faire ça. Afficher toutes les informations directement sur un écran LCD qui est en façade, histoire que quand c'est racké dans le data center, on puisse voir ce qui se passe dessus. Et puis mesurer la consommation électrique en temps réel, parce que si on fait du green lighting et qu'on ne sait pas en réalité combien on consomme, ça sert un petit peu à rien quand même. Et après, on avait du coup des challenges qui étaient transverses aux deux, donc pouvoir gérer la ventilation. Là, c'est pareil, du point de vue du green lighting, on ne va pas faire tourner les ventilateurs à 100% de la capacité si les trucs ils sont à 30 degrés dedans, ça ne sert à rien. Et puis allumer et éteindre les Raspberry Pi selon la charge. Du coup, ce qui existe déjà, donc quand on voulait faire du CIR, il fallait qu'on puisse montrer qu'on allait dépasser l'état de l'art. Du coup, ça c'est la classique, hein, c'est ce que j'ai vu dans leur regard quand ils sont venus au mois de juin. Je me suis dit, ils veulent faire ça, on va peut-être pas faire ça. Tout le monde l'a déjà fait. Ensuite, on a trouvé des gens qui ont fait ça en Chine, donc c'est 16 cartes PI, mais au final, il y a quand même 16 cartes réseau, et c'est un agrégat où on met des PI mini. C'est pas très intéressant. Après, il y a eu un concours qui s'est lancé à la taille. Donc là, ils en ont mis 750 dans une grosse boîte. Bon, ça marche pas des masses, et puis 750 à l'île, 700, enfin tout est 750, il n'y a pas de facto. Et puis après, il y a Aura qui a voulu gagner le concours. Donc ils ont fait une boîte, ils en ont mis 1060 en Pi3, ils n'ont pas fait les calculs de tension, ils n'ont pas fait les calculs d'ampérage, donc on ne peut pas l'allumer. Mais ça, ils ne le disent pas, hein. Faut zoomer sur les photos pour se rendre compte que c'est du bluff. Et puis surtout, ils l'ont tous fait juste pour l'avoir fait, en fait, et faire la promo dessus. Alors que nous, on veut faire une boîte qu'on peut racker dans laquelle on fera du face. Spec technique, donc là, une fois qu'on a passé la phase du nom et de savoir ce qu'on avait dépassé, on a fait la spec, comme dans tout bon cycle en V, hein, on fait la spec en premier, et du coup, c'est ça la spec. Donc, c'est le petit schéma, là, on a la boîte, on veut que ça passe tout dans une boîte qu'on va pouvoir raquer sur 2U. On a dans notre spec seulement deux entrées, donc une entrée pour le réseau, une entrée pour le 220 et un interrupteur général. On n'en veut pas plus. On se rend compte rapidement que dans notre élément, il y a des éléments qui tournent en 220, donc ça tombe bien, on l'a en entrée, mais on a aussi les pics qui tournent en 5 volts, le Arduino, on ne sait pas trop encore comment on va l'alimenter, mais on sait qu'il prend du 5, du 3, du USB ou du 12. Donc on voit, donc il nous faut aussi du 12, parce que dans la boîte qu'on a récupérée, on a des ventilateurs de serveur 12 volts, 2 ampères. On se dit que ça va bien souffler pour refroidir les pics qui montent à 70 degrés, donc on va se mettre une aligne 12 volts. Ensuite, il y a les 16 pics, forcément. Qui sont tous reliés donc aux 5 volts et puis en réseau. On a de quoi refroidir tout ça parce que ça va chauffer. Donc pour ça, on récupère un DHT22, on récupère un Arduino, on récupère les 5 ventilateurs qu'on pilote en PWM et on va faire fluctuer les vitesses des ventilateurs en fonction de la température. Ensuite, comment on veut qu'une carte réseau, pour ne pas exposer toutes les machines, et bien on a envie de rajouter donc un switch et un routeur. Le routeur aura deux cartes réseau. La carte réseau qui est sur la board et une carte réseau externe qu'on branche en USB 3. Il nous faut, comme on n'a pas de SD et qu'on n'a pas d'OS et qu'on aura des images Docker à stocker, ça ne passera pas sur la SD du routeur, donc on monte un NAS en façade. Donc on fout 4 disques d'un tera, enfin 4 disques de 250, ça fait un tera. On alimente le hub au cas où. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre ? De quoi prouver qu'on ne consomme rien ? Donc on trouve un petit composant ampérométrique qui permet avec un capteur de mesurer en temps réel la puissance qui passe vraiment dans le neutre. On verra comment on va le brancher. Et puis, pour faire un petit coulol quand même, hein, il faut des LED devant, des petits écrans LCD qui affichent des trucs et que ça bouge. Sinon, c'est pas intéressant, et puis ça fait pas un serveur qu'on peut raquer. Voilà, donc ça c'est notre spec, et puis on part à l'aventure là-dessus. Quoi. Alors, du point de vue de la composition à l'intérieur de la boîte,
Du point de vue physique, on a du coup un rack de U, hein, 19 pouces, c'est ce que vous avez devant vous. Dedans, il y a 18 Raspberry Pi 4, du coup, il y en a 16 qui servent pour le cluster, un pour le routeur et un pour la NAS. On a 4 x 250 Go de SSD, 5 ventilateurs Dell qu'on va servir par la suite, une Arduino Uno, deux afficheurs LCD, un switch 24 ports en 1 gigabit seconde, et après on a besoin d'environ 50 mètres de fil électrique et 1 kg de plastique PLA pour tout assembler. Au total, ça a coûté approximativement 2 300 €. Et ça fait 18 kg. En pratique, eh ben, 64 cœurs disponibles, 64 gigas de RAM. Alors, il faut savoir, c'est 64 gigas de RAM, mais on ne peut rien hoster qui sera plus gros que 1 pi. On ne peut pas faire des choses qui font 5 gigas de RAM, ça ne va pas marcher. Il faut connaître ses contraintes. Ça c'était pour plaire au calcul de performance, 518 gigaflop, c'est-à-dire 1,5 fois une GeForce 2080 pour 100 watts. C'est génial, mais c'est que des maths. 1 Tera de stockage, gigabit en interne et en externe, et autour des 100 watts quand ça tourne, et on va le démontrer. Voilà, donc on vous a parlé beaucoup de théorie et de chiffres, et maintenant du coup on va passer à la phase de construction. Donc la première chose qu'on a fait, c'était trouver et nettoyer un châssis. Donc pour ça en fait, on a été au dépotoir d'Almeris, on a trouvé un vieux serveur à broquer, donc un vieux Cisco Appliance Mail, il ressemblait à ça au tout début. On l'a totalement vidé, il y avait dessus beaucoup plus de place. On a reçu toutes les Raspberry Pi, et puis ensuite on a également trouvé dans le stock de trucs à jeter des cartes graphiques qui avaient du coup des bons gros dissipateurs thermiques. Donc on est arrivé, un petit coup de Dremel dessus, et hop, ça fait des dissipateurs pour Raspberry Pi. C'est vachement pratique. Et donc du coup on a commencé à imprimer, la première chose qu'on a fait c'est imprimer le rack sur lequel vont tenir les 16 Raspberry Pi qui font le cluster. Donc globalement comment ça fonctionne, on a un ensemble de pièces qui font à peu près la hauteur de 2 U. Qui se compose de deux pièces, une partie qui va être fixe et une partie qui va permettre de faire chariot pour avancer la Raspberry Pi pour pouvoir la retirer au besoin. Donc du coup ça donne ça avec 5. Du coup pour que ça tienne... il a fallu qu'on mette 3 tiges histoire de tout faire tenir correctement. Ça donne ça avec 9 et ça donne ça avec 16. Du coup, ce que ça donne avec 4 pièces rassemblées entre elles, c'est ça. Là, on voit la Raspberry qui est prête du coup, à être rackée dans l'appliance. Et une fois qu'on a mis les 16, ça donne ça. Donc là, en fait, si on en revient juste un petit peu, on n'a pas la tige, on n'a pas la troisième tige, parce que si on veut les sortir, on ne peut pas, parce que sur les Pi 4, on s'est rendu compte après, ils avaient mis l'alimentation électrique sur le dessus et pas à l'arrière. Et du coup, bah, il faut les débrancher pour les sortir, donc on voulait pouvoir les sortir à chaud. Câblage électrique. Du coup, on reçoit les deux alimentations qu'on a commandées sur notre site préféré AliExpress, pour limiter les coûts. On vérifie tout ça parce qu'on ne sait jamais, donc il y a bien 12 volts, j'ai bien 5 volts. Et puis après, on attaque l'alimentation des piles, donc on commence à regarder les câbles USB-C coudés. Vous avez vu, le rack il fait 2 U, ça va toucher le capot. Donc il va falloir des câbles coudés, et puis on va leur foutre un coup de pince coupante, parce que de toute façon il faudra les brancher sur une 12 volts. Donc on dit que c'est pas très opti, sachant que ça vaut 15 et 20 euros 9. Donc on se lance dans la soudure de fiches USB-C, où on fera passer que 2 fils, ça sera beaucoup plus simple. Du coup on crée tous les fils, ce qui donne, une fois la belle tresse faite, ce genre de choses, on a bien 16 fils, parce que là il n'y a pas le câblage du NAS et du routeur encore. On a 16 paires de fils qui partent, on les répartit sur le cornier du 5 volts, et ça fait beaucoup de place. Donc j'ai brûlé beaucoup de doigts, William s'en rappelle encore, il tenait les fiches pendant que je les soudais. C'était assez sport. Ensuite, le ventilateur. Donc là, on va faire une petite partie en C. On fait des tests, on fait des différents tests sur les Arduino. Donc là, à gauche, on teste une ligne 5 volts, un ventilateur tout seul, un Arduino Uno. À gauche, on essaye un rail complet qu'on a trouvé dans le serveur du début qui alimente 5 ventilateurs, donc on y vend 12 volts, et puis on essaye avec un nano. Alors le nano n'a pas survécu, il faut le savoir. Il y a une petite technique à faire, c'est qu'il y a la deux masses à partager, et on a dû se tromper quelque part, donc ça fume. Du coup, maintenant, on a un Uno, puisque il est sur l'autre photo. Et donc là, il est en condition avec la sonde. On faisait chauffer au décapeur thermique la sonde. Ça faisait bien monter la vitesse des ventilos qui soufflaient sur le DHT22 qui faisait redescendre tranquillement la vitesse.
Une fois en place, donc là c'était avant qu'il meure, le nano dans une petite boîte. On avait aussi rajouté un petit écran LCD première génération, je veux dire, ce qui est maintenant en place, c'est un peu plus joli. On affiche, on avait des problèmes de lecture du HT22, donc on a l'état de la sonde, donc là elle était ok, on était bien à 25 degrés dans la pièce. Et la vitesse des ventilateurs était de 25% sur ce cas-là, donc ça marchait. Pour faire ça, donc on a le plan qui est ici. On a un Arduino, on a bien son capteur de température qui est à gauche, les 5 ventilateurs qui sont en parallèle là-haut alimentés en 12 volts. L'Arduino, lui, il est alimenté en 5,5 V, mais en fait, il est alimenté surtout par le Raspberry Pi qui est à côté en USB, comme ça on pourra récupérer les logs. Ensuite, ça va être vachement plus sympa que de l'alimenter. On aura aussi les logs. Et puis un écran OLED pour afficher donc les choses qu'on avait sur celui d'avant, à savoir l'état de la sonde, la vitesse et la température. On a compilé tout ça, le programme il est disponible sur GitHub, donc il ne fait pas grand chose, hein. C'est un agrégat de plein de programmes qui existent et qui font tous ces choses-là, c'est juste qu'on a tout mis dans un. Et donc voilà, ça mappe la température, je pars par là, entre 32 et 255, ce qui donne entre 20 et 100% de vitesse. Ensuite on passe à la consommation électrique, donc là c'était un petit peu plus sport. Donc au fond du boîtier, on avait eu la bonne idée de ne pas mettre de 220 dans le boîtier. Donc le 220, il est limité à 5 cm au fond du boîtier. Et on a mis des vagos, un pour la neutre, un pour la phase, un pour la terre. On a relié la terre au boîtier, c'est pour ça que quand on touche, on prend des petites décharges. Et puis on s'est dit, ça tombe bien, parce qu'ici on va pouvoir mettre cette pièce qu'on a trouvée sur Internet, qui apparemment est magique. Ça s'appelle un PZ2M04, ça peut tirer 100 ampères. Enfin, ça peut prendre 100 ampères. Et par contre, ça marche que sur Arduino Uno, d'après la spec et le code qui est fourni. Donc une fois qu'on a débugué le programme qui ne fonctionnait pas, et qu'on a inversé les pins parce que le schéma était inversé, ça marche. Donc c'est le schéma là-haut. On a créé une rallonge qui nous donne combien sont tirés d'ampères et donc de puissance sur la prise. Et puis ensuite, on voulait nous le faire à l'arrière du boîtier, donc au plus près du 120, et on avait le Raspberry Pi routeur qui se trouvait dans le coin, donc on s'est dit on va utiliser les GPIO et essayer de piloter tout ça dessus. Donc on a un ARM, on est sur Linux, et on va pas faire tourner du C d'Arduino. Donc on a tout réécrit en Go. On avait Sylvain Dégré sous la main, donc c'était assez simple. Il a réécrit la lib PZ2M04, elle est publiée elle aussi sur l'adresse ici, là vous pouvez aller voir. Et donc ça fonctionne bien, on récupère les informations, le capteur il est ici sur le neutre, les infos sont là, là on a le 220 qui rentre, les infos reviennent ici, puis là les petits fils qui partent là-haut, c'est ceux qui vont écrire toutes les infos justement sur l'écran LCD pour montrer qu'on tire bien que 80 watts. Voilà, donc une fois qu'on a réussi à faire notre mesure de la consommation électrique et que tout est à peu près raccordé dans le rack, il a fallu qu'on s'occupe de la mise en réseau. Donc pour ça, on a récupéré un switch Netgear 24 ports à gigabit seconde. Et on a commencé à tout câbler. Donc on a utilisé une carte réseau USB pour faire la sortie, étant donné que la Raspberry n'a de base qu'une seule carte réseau. Du coup, il a fallu qu'on en mette une deuxième en USB, et ensuite, du coup, le Raspberry fait la jonction entre l'extérieur et l'intérieur. Il renvoie en fait le réseau sur le switch. On avait commencé du coup à faire tous les câbles, c'était méga joli, on les avait tous bien recoupés par couleur, et pour un obscur problème de spécification pas suivi, il a fallu tous les changer. Mais c'était joli. Donc quand c'est écrit sur Internet qu'il faut 4 fils, c'est faux. 4 fils, c'est 100 mégas. Donc vous imaginez bien, tous nos pics qui démarrent en même temps et qui se mettent à télécharger l'OS sur des fils 100 mégas, on perd un peu. Donc il faut bien mettre 8 fils dans les RJ45. Donc un conseil HTD, c'est vachement plus simple. C'est ce qu'on a fini par faire d'ailleurs. Et alors après, du coup, c'est la pièce, entre guillemets, maîtresse du cluster. On a été obligé de créer une grosse pièce en 3D ici pour réussir à faire tenir un petit peu tout ce qui ne tenait pas dans le cluster en fait auparavant. Du coup, on a une pièce qui s'occupe de tenir le routeur, qui est juste ici. Vous avez ensuite la sonde de température, et puis il s'occupe également de caler correctement le switch et les deux alimentations à découpage. Donc voilà, c'est la méga pièce mais qui permet du coup de tout tenir correctement. Une fois qu'on avait fait la mise en réseau, étant donné qu'on voulait ne pas avoir de carte SD, il a fallu qu'on monte le NAS. Donc le NAS, en fait, on a fait une grosse clé USB hein, avec 4 disques de 250 Go, et on a tout branché sur un switch USB. On s'est juste rendu compte qu'en fait, on n'avait pas pensé à mettre la place qu'il fallait dans le cluster. Du coup, on a découpé ça un vendredi après-midi dans le bureau, avec les fenêtres fermées.
Ne faites pas ça. Très très mauvaise idée. Voilà. Ne faites pas ça. Faites-le dehors, c'est beaucoup mieux. Mais bon, une fois qu'on avait fini de tout démonter, ça rentrait correctement dedans. Et on a tout simplement posé les 4 disques et le switch dans le cluster. On l'a relié sur le Raspberry Pi qui fait office de routeur et qui du coup est quasiment en façade. Et on avait notre NAS. Donc là, le final, on a fait pas mal d'assemblage, donc on a enfin notre boîte. Alors, c'est rempli, hein. Il n'y a plus beaucoup de place. Vous voyez, les nouveaux fils au milieu sont moins beaux. Hein. On n'a pas les codes couleurs des familles, mais bon. Ils ne sont pas branchés face à face comme on voulait faire. Du coup, on a la façade qui est complètement à droite, l'arrière qui est à gauche. On retrouve bien notre NAS qui est en façade. Donc le PINAS et son Terra. Ensuite, on a l'Arduino qui est caché là-dessous avec pas mal de connectiques, hein, puisqu'il pilote en fait tous les ventilateurs. On a notre rail de ventilateur, où on peut retirer les ventilateurs unitairement pour les changer par des ventilateurs de récup. Le cluster de 16 pi, le routeur qui se trouve à l'arrière. Il est posé sur le switch des bits. On a nos deux alimentations. On a le Z2M qui est sur une carte qu'on a fait en PCI, du coup elle passe sur les slots qui sont à l'arrière du serveur. La carte réseau, qui est une carte, c'est un dongle USB, USB 3 réseau, qu'on a mis dans une carte PCI qu'on a gravée nous aussi. L'interrupteur, ça c'est de la récup d'une machine IBM, c'est un interrupteur plus l'arrivée 220, plus les filtres, plus les anti-retours, comme ça si on fait des parasites là-dedans, on ne va pas en envoyer dans le 220 du data center. Donc c'était une bonne trouvaille ça aussi. Voilà, donc ça nous donne une belle machine. Et puis il fallait du fini, on a mis un petit béquet là. C'est sympa d'avoir un petit béquet. Une fois fermé, donc ça donne ça. On a bien une seule arrivée en 220 et en réseau. Et en façade, pour le tuning, une petite framboise. C'est une idée de ma femme, donc je trouve que ça rend bien. Si tu nous écoutes. Sigma Lambda Pi, parce qu'en bleu, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était vraiment trop classe. Deux petits écrans LCD, alors comme on voit pas trop, je les ai remis là-haut. Donc ce qu'on avait tout à l'heure sur l'écran vert à LED, un peu vieux. Donc voilà, la sonde elle est ok, il faisait 23 degrés, on tournait à 17% de vitesse. À côté, à la SIP, on s'est dit, mais comment on va faire pour récupérer la SIP? On peut faire du réseau, aller se brancher sur les switches et toutes ces choses-là, mais nous on préfère l'avoir en direct, donc le routeur, quand il boot, il envoie son SIP sur l'écran façade. La température min et max de l'ensemble des 16 pi. Bon là c'est moqué, hein, c'est un peu facile. 84,60 watts, donc ça c'est la consommation temps réel qui est en ce moment. Et puis ensuite il y a le free space des 4 disques. Donc là on n'a rien installé, donc il y a de la place. Du coup, maintenant on a la machine, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors du coup ce qu'il nous reste à faire, on a fini la partie hardware. Alors, du coup maintenant on va s'attaquer à la partie software. Donc ce qu'on a dû faire en premier, c'était flasher les Raspberry Pi, parce qu'en fait, le modèle 4 de Raspberry Pi, il ne supporte pas le boot réseau par défaut, depuis qu'ils sont passés à l'épreuve. Du coup, il a fallu qu'on trouve une solution. Alors en fait, on avait pas mal de chance. Le jour où le problème s'est posé, il y avait un mec sur GitHub qui avait commité 16 heures avant, avec noté « ne pas utiliser, c'est encore en test ». On s'est dit qu'on allait utiliser, et c'est passé. Donc, on en a briqué 4. Oui. Ensuite, on a débriqué en galérant un peu, et on a eu des gens qui ont eu des sueurs froides pendant quelques heures. Mais aucun Raspberry n'est mort. Donc, c'est quand même déjà une bonne victoire. Et ensuite, du coup, on avait créé un OS sur mesure. Alors, la légèreté du Linux Alpine, parce que les fonctionnalités du Linux Alpine, c'est peut-être un grand point. Mais, la légèreté de Linux Alpine, parce qu'on va démarrer sur le réseau, et s'il y en a 18 qui viennent demander l'OS d'un coup, ça risque de prendre du temps si on télécharge les 4 gigas de Debian. Et le kernel d'une Raspbian pour supporter intégralement les Raspberry Pi. Donc, du coup, on a fait ça, et le résultat, c'est GenePi. Une distribution musclée, et comme pour tout le reste, c'est disponible sur GitHub. Donc, n'hésitez pas à y mettre une star à la fin, ça fera toujours plaisir. Et alors donc du coup, Christophe, est-ce que ça marche? Oula, oui, ça marche. Du coup, si on reprend les challenges du début, bon, on a tout fait. Bon, sauf pas de micro SD, il en reste une sur le routeur, quand même, on peut pas tout enlever, il faut bien que quelque part il y ait les OS. Donc lui, il boot sur sa carte SD, il a l'OS, il le distribue aux autres. Bon, on va faire une croix sur cet objectif. Et puis l'allumage extinction des Raspberry selon la charge, sans savoir encore comment faire. On n'a plus trop de place, on a des idées de mettre des relais, mais bon, ça veut dire qu'il va falloir mettre des relais quelque part là-dedans, les piloter avec un Arduino, démarrer les piles deux par deux, il va trouver l'algorithmique qui va bien aller avec ça, donc ça va être un peu pour la suite.
Et le FAS, vous allez me dire, parce qu'on vous a dit que c'était une machine pour faire du FAS, et ben lui, il marche pas du tout, puisque aujourd'hui on en est à la conception hardware de la machine. Donc elle marche, elle démarre, tout se passe bien, mais il n'y a pas de FAS. Donc on a dans l'idée de mettre un 4OS dessus, qui a l'avantage d'être compilé pour ARM, parce que l'anglais Alex Ellis a bien travaillé sur le sujet, donc on va arriver à faire quelque chose. Et puis ce que je vous ai, hein, la magie noire à trouver pour bloquer, pour démarrer les PI deux par deux en fonction de la consommation de functions qui seront faites sur le routeur en façade. Et donc on viendra vous montrer tout ça à un prochain Happy Hour. On vous remercie pour l'attention, on remercie Clermont Tech pour l'invitation. Et ça fait pile 25 minutes. Donc, vu que ça fait que 25 minutes, si vous avez des questions, je pense que c'est bon. Après, vous pourrez bien voir, après tous les talks, on reviendra ici pour vous montrer la bête. Pas de questions ? Si. Au-delà du fait que ça ne fait pas de FAS pour l'instant, il y a quand même moyen de faire tourner des choses dessus. C'est complètement opérationnel. Oui, les machines, elles bootent et on peut s'y connecter un SSL dessus. Donc, il y a moyen de faire tourner des choses, en effet, ouais. Le routeur fonctionne parfaitement, lui, puisqu'il boot très vite, il renvoie son adressité facilement, et ensuite, il sert de bastion pour toutes les autres. Il a la clé de toutes les autres machines. Mais voilà, cette partie-là fonctionne, en tout cas. D'autres questions ? Les tiroirs, il me semble qu'ils se tiraient sur le côté, du coup, avec les fils à réseau, c'est pas chiant. Ça marche plus. Faut virer le fil à réseau avant. S'il n'y a pas de DHCP dans votre data center, vous êtes obligé de configurer d'abord sur un réseau à part. S'il n'y a pas, il faudra qu'on modifie l'ASD qui est sur le routeur pour qu'elle ait une IP fixe. Du coup, vous avez, pour la V2, ça vaut le coup d'avoir peut-être une patte Ethernet à côté pour le routeur direct. On avait l'idée de mettre pas mal de choses derrière, de rajouter de quoi l'avoir même en USB, d'avoir même une sortie vidéo. On avait une idée un peu folle au début, c'était de faire le talk dessus. Bon, on a abandonné, totalement. Mais il y a de l'HDMI. Il y en a même 18. D'autres questions ? Oui ? Du coup, le débit théorique entre le SSD et la Raspberry, donc on n'a plus de flash dedans, est beaucoup plus ralenti. Vous avez une estimation théorique ? Est-ce que vous avez relié la mémoire interne ? La mémoire n'est plus sur la mémoire flash, du coup, mais si. On doit directement relier une SSD. Non, en fait, on n'a plus de mémoire SSD pour l'OS, et du coup, tout est en RAM. C'est-à-dire, quand les PI qui sont dans le cluster démarrent, ils vont chercher l'OS par le réseau en gigabit sur le routeur, ils montent tout en RAM. Et les PI ne marchent plus que sur leur RAM, donc ça va encore plus vite. Et après, ils iront chercher les images par le réseau sur le NAS pour monter les images Docker. Du coup, au niveau de la bottleneck, on a juste l'entrée réseau qui va. C'est le gigabit, ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi parce qu'on a tout l'OS qui est en RAM qu'on n'a pas voulu aussi charger une Debian ou autre dessus, parce que si on change les 4 gigas de Debian dans la RAM de la Raspberry, il ne reste plus grand chose après derrière. Donc, on a été obligé de faire GNPI aussi en partie pour ça. Et c'est pour ça qu'on a refait tous les fils. De marge en RAM, du coup, là, une fois l'OS booté. Là, l'OS, il fait 50 MB. C'est ridicule. Le plus lourd dans l'OS, c'est le logo. D'autres questions ? Ouais. Est-ce que vous avez fait un bilan des bandes passantes qu'il y a entre les USB et puis les passerelles qui ne sont pas vraiment USB 3 aussi sur le PI 4 ? On n'a pas fait de test sur NAS, on a fait du test entre les PI, on a 800 MB, mais on n'a pas fait de test sur le NAS encore. D'autres questions ? Ça démarre. Du coup, c'est pas encore allé dans la salle serveur ? Non. Il y a des gens qui veulent pas. Vous avez utilisé quoi comme outil pour bencher les perfs ? On demandera à Sylvain, et puis quand on reviendra à nouveau pour la partie soft, on mettra tous les benches, mais c'est vrai que pour le coup, c'est surtout Sylvain qui s'en occupait. Après, je me demande s'il n'a pas tout simplement pris un fichier, puis tenté de le télécharger voilà, en SCP, en avant. C'est probable qu'on ait utilisé ça. Et c'est moi une question.
Ça a pris combien de temps pour imprimer toutes les pièces hein? Ma femme a supporté les impressions pendant 50 heures d'affilée sur la table basse du salon. Ça m'a coûté cher. Il y a d'autres questions? Eh ben merci. Merci à vous. Parler de Cloud Meet. Qui utilise du cloud? Précise. Non, du cloud, de façon générique. Est-ce qu'il y en a qui ont les Raspberry Pi dans leur garage et qui font tourner dessus? Voilà. Moi, je vous parlais de Cloud Meet. C'est un outil que j'ai découvert parce que je commence à faire un peu d'infra où je travaille. Donc, j'étais utilisateur de solutions cloud. Et je suis passé de l'autre côté et j'ai dû commencer à gérer les hyperviseurs et répondre à des besoins utilisateurs. Du coup, moi jusqu'à très récemment, quand j'avais besoin d'installer un Linux, je récupérais mon ISO, je le mettais sur un CD ou sur une clé USB, j'avais toute la phase d'installation, je rentrais les informations, mon utilisateur, mon hostname, et ça permettait d'installer ma machine. Donc quand on installe Ubuntu, ça prend un peu de temps. Quand on boot dans le cloud, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Ce qui se passe, c'est que en fait, il y a des images qui sont toutes prêtes, qui sont fournies par le cloud provider, et c'est des images qui sont quelque part, et on copie cette image, on la met sur l'hyperviseur ou sur le stockage partagé, et on démarre notre VM à partir de notre disque. Donc au lieu d'avoir un disque physique, on a un disque qui est dans une image, dans un fichier. La machine démarre, ça configure et ça démarre la VM. Donc le configure, c'est quand vous allez généralement sur une interface, ça vous demande de renseigner votre clé SSH, ça vous demande un utilisateur. Il y a un certain nombre d'informations que votre cloud provider vous demande, ce qui vous permet de vous connecter. Et comment ça fonctionne? En fait, il y a un outil qui s'appelle donc du coup Cloud Meet qui ressemble un peu à ça, en fait, quand on commence à y mettre les mains dedans. C'est un gros outil, c'est fait par Canonical, qui est la boîte qui fait Ubuntu. Et le but de Cloud Meet, c'est de fournir une standardisation sur le fait comment on démarre notre machine et comment on envoie des informations à nos VM qui vont démarrer. Du coup, ça permet de faire de l'OpenStack, du LXC, du KVM. Et ça permet de gérer un cloud limit et géré par un certain nombre de cloud providers. Donc, je pense que là, on a la grosse majorité des cloud providers qui sont utilisés avec des. Voilà. Donc, les plus gros Amazon et on a même Alibaba, je ne sais même pas qui faisait du cloud. Quand, voilà. Tout le monde utilise à peu près ces providers quand vous faites du cloud. Est-ce qu'il y en a qui ont des providers différents qui utilisent d'autres solutions? Ça, Cloud Init permet de gérer de l'Ubuntu, enfin un certain nombre de distributions Linux, donc celles-là généralement c'est les plus communes. Du coup, Cloud Init ne fonctionne pas pour Windows. Donc s'il y en a qui démarrent des Windows en serveur, désolé pour vous. Est-ce qu'il y en a qui utilisent d'autres types de Linux? Généralement, c'est celle qu'on prend. Et bien sûr, comme c'est un outil, on va dire DevOps, tout est configuré en YAML. Je vous cache pas que c'est un gros schéma YAML. Comme le YAML n'a pas forcément de validation comme le XML, je vous cache pas que c'est assez compliqué quand on commence à faire. Et en plus, la doc n'est pas super claire.
Mais malheureusement, c'est du YAML. L'avantage par rapport à du JSON, on va dire, c'est qu'on peut mettre des commentaires. CloudInit vient avec aussi un outil qui permet en fait de valider notre YAML pour vérifier qu'il respecte les configurations qui sont disponibles. Et CloudInit en fait s'articule autour d'un certain nombre de modules. Et en fait, quand vous démarrez votre machine, comme on parle d'un template basique, on doit pouvoir appliquer un certain nombre de configurations custom. Donc le network. Quand on démarre nos machines, on a notre IP publique qui est disponible. Donc c'est CloudInit en fait qui injecte cette IP publique. Quand vous rentrez vos clés SSH et que vous définissez qu'il vous faut un utilisateur par exemple qui s'appelle Cloud, CloudInit va s'occuper de créer votre utilisateur Cloud, c'est compliqué, et fournir les clés SSH. Il va aussi permettre au démarrage de votre machine de fournir des scripts. Donc dans votre interface web, vous allez fournir un script et CloudInit va pouvoir récupérer ce script et l'exécuter au démarrage. Je ne l'ai pas précisé, c'est quelque chose qui se lance au démarrage de votre machine, donc au tout début. Et il permet aussi de faire le resize de partition. Donc quand vous allez sur vos interfaces web et que vous définissez par exemple d'agrandir votre disque, que vous redémarrez votre machine, quand vous décidez de redémarrer votre machine, en fait c'est CloudInit qui va voir que le disque a été agrandi et va resizer votre partition. C'est pour ça. Est-ce qu'il y en a des fois qui sont amusés à regarder un peu comment a été configurée une machine quand vous venez de la démarrer sur cloud? En fait, vous remarquez que la plupart des machines ne sont pas en LVM. Pourquoi? Parce qu'en fait, CloudInit n'arrive pas à resize les LVM. C'est pour ça que vous avez souvent des partitions en TX4. Donc ça ne marche pas. Si aussi, à savoir, si vous mettez votre distribution en français, le resize ne marche plus. Hein, il faut le savoir. Moi, ça a été une semaine à me demander pourquoi. Parce que j'ai un utilisateur français et c'est au bout d'un moment sur une ligne mailing list qu'on découvre qu'en fait non, ça ne fonctionne pas. Plus la quantité de logs que vous renvoie votre carnet. Et du coup, ça se. En fait, chaque provider a un peu sa façon d'envoyer ses informations. Donc, vous démarrez votre machine, ces informations sont envoyées à votre VM et ce qu'on appelle les data sources. Donc, en gros, comme chaque provider a son propre système pour faire gérer sa virtualisation, CloudInit en fait a dû s'adapter pour chacun de ses providers. Donc en fait, la façon d'envoyer les données à votre machine, il y en a une spéciale pour Alibaba, une autre spéciale pour Azure. On a la EC2 quelque part qui est en fait, on va dire, la plus standard, parce qu'on va considérer que AWS en fait c'est le standard. Mais si vous faites du Proxmox, qui est un outil d'hypervision, un orchestrateur de VM, il va utiliser la solution No Cloud. Donc en fait, vous n'allez pas vraiment développer sur CloudInit. Hein, vous commencez à faire ça, c'est vraiment les providers du web, enfin les providers cloud, leurs équipes, qui contribuent à CloudInit. L'avantage, c'est que pour une fois, dans le cloud, ils se sont mis d'accord sur un outil, ce qui est assez rare. Donc on a nos data sources, et en fait, les data sources, c'est quoi? C'est des informations de metadata qui sont envoyées par votre provider, telles que les IP, et aussi vos informations telles que vos clés SSH, etc. etc. Je vais vous faire une toute petite démo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est pour rien. Donc je vais me connecter juste sur une machine. Donc là, je suis en fait sur une machine qui a été montée chez OVH. Et j'avais pas prévu ça. /etc cloud. Donc vous allez avoir un dossier etc cloud où vous faites un cloud CLG. Et en fait, vous allez ici retrouver le YAML de configuration de votre machine. Donc si vous amusez des fois à démarrer une VM et à vous dire ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. En fait, je vous conseille de garder quand même toute la partie CloudInit. Pourquoi? Parce que si vous l'enlevez, en fait, vous n'aurez plus les possibilités de resizer votre système. Ou si par exemple les IP changent, ou si des fois votre provider a besoin d'appliquer des patchs, en théorie, il serait capable de, via CloudInit, d'appliquer des modifications de mise à jour de votre kernel. Il en serait possible. Je ne sais pas si ça a été utilisé quand il y a eu le Meltdown. Il y a plein de services qui ont démarré, je crois que c'était surtout les hyperviseurs qui ont démarré, pas vraiment les VM. Mais si vous gérez même votre infra et que vous avez besoin
de redémarrer, en fait, vous pouvez le piloter aussi par Cloud Init. Vous n'êtes pas obligé de passer par du Ansible. Vous pouvez même aussi, si vous voulez, pouvoir, quand vous démarrez Cloud Init, vous pouvez le configurer parce qu'il y a des modules, il y a un module Puppet, pour que quand il démarre, automatiquement, il va se connecter à votre serveur Puppet ou à votre master chef et pouvoir appliquer les modifications. Donc il y a un certain nombre d'informations, il y a tous les modules qui sont disponibles. Si vous allez sur la doc, vous allez vous rendre compte que c'est une doc qui n'est pas top. Ça va vous donner envie de faire de la doc. Donc là, on a à peu près toutes les informations. Et quand vous démarrez sur OVH, vous voyez ici qu'en fait, par défaut, c'est l'utilisateur Debian. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est configuré dans Cloud Init pour que l'utilisateur par défaut qui est créé, c'est Debian. Il va vous mettre dans les bons groupes, etc., etc. Et si je... Là, le data source qui est utilisé, c'est le data source EC2, enfin celui d'Amazon, qui est utilisé par OVH. Et du coup, comment on récupère l'information ? En se connectant sur une IP qui est 169.254.169.254. Donc si vous envoyez du trafic réseau qui part vers ça, c'est qu'en fait, c'est votre Cloud Init qui communique avec OVH. Donc c'est normal, ne bloquez pas. Okay. Et du coup, quand vous allez faire là-dessus, c'est des appels. Pardon, je vais retrouver les... Donc là, on voit qu'en fait, quand j'appelle, j'ai metadata hostname, donc plus URL, le rendu n'est pas top, on voit qu'il me renvoie la valeur latnoc, donc le nom de mon serveur, etc. Donc c'est comme ça qu'en fait ça communique. L'objectif, c'est pas que vous vous amusiez à forcément faire de la configuration Cloud Init, c'est juste de comprendre que cet outil est extrêmement important si vous faites du cloud, et de ne pas le supprimer. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je me rends une machine chez OVH, j'ai enlevé des trucs, j'ai plus à RSA, j'ai des problèmes de réseau et tout ça. » Je t'ai enlevé quoi ? Ouais, j'ai enlevé ça, ça. » Donc on a regardé sur un serveur qu'on venait de démarrer. J'ai dit « Ouais, j'ai supprimé aussi ça, Cloud Init. » Bah, supprime-le pas, sinon ça ne marche pas. Donc voilà. C'était surtout le but de cette démo, c'est pas forcément que vous ayez envie de configurer, parce que si vous allez configurer, écrire de la configuration YAML pour Cloud Init, c'est que vous êtes un provider cloud ou que vous fournissez des VM en cloud. Vous pouvez par contre écrire des scripts et communiquer via Cloud Init, via le user data, pour envoyer vos scripts de démarrage. Ça, ça dépend aussi de vos providers, s'ils vous permettent de le faire ou non. Amazon le permet, OpenStack le permet, Proxmox ne le permet pas. Proxmox permet juste d'injecter les name servers, les serveurs DNS, les utilisateurs, les clés et les IP pour les interfaces réseau. Voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment ? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de supprimer Cloud Init, hein ? Ouais. Alors, j'ai pas bien compris. Du coup, les machines, elles ont un client Cloud Init sur le. Ouais. Un démon qui tourne, comment ça se passe ? Ouais, c'est un démon qui tourne, qui est installé. C'est installé via les paquets. Il tourne sur la machine. Et quand il boot via systemd, parce que je crois que ça fonctionne surtout avec systemd, au boot, il va exécuter un certain nombre d'informations, dont une fois que le réseau est monté, il va aller récupérer les informations pour après se reconfigurer. Mais c'est un démon qui tourne, ouais. Et donc, par exemple, comme tu dis, pour récupérer les infos réseau, il va contacter le serveur, c'est ça ? Il y a ouais. Un serveur ? Dans la configuration, on voit comment le data source est configuré. D'accord. Donc, à un moment, on voit que par défaut, c'est celui d'Amazon, je crois. Et du coup, il voit comment il est configuré, et quand il va démarrer, en fait, c'est pas vraiment un démon parce qu'il tourne pas en permanence, mais au démarrage, il va démarrer un certain nombre de services. Via le systemd, on peut recevoir des events pour dire que le système boot. Et du coup, quand il va démarrer, il va aller chercher une information, il va lire sa configuration de cloud.clg, dans TCC Cloud. Il va voir par exemple que c'est la configuration AWS. Du coup, il sait qu'il faut utiliser telle IP, donc il va communiquer avec l'IP 164. 169.254.169.254, et va récupérer les informations. Il va récupérer ces informations et après il va pouvoir reconfigurer son réseau. Donc il faut par défaut bien sûr que le template arrive à avoir un minimum de connectivité. Donc ça généralement c'est quand votre template de base est fourni, il arrive quand même à pinguer cette IP et à récupérer les informations. Voilà. Je ne sais pas avoir été assez clair. D'autres questions ? Et bien parfait. Ouais. Vas-y. Est-ce que ça a un intérêt de... Est-ce que tu peux être amené à retoucher le fichier de config de Cloud Init toi-même pour ajouter des trucs éventuellement, ou ça n'a aucun intérêt ? Alors moi, en tant qu'utilisateur, je vois pas forcément l'intérêt.
Ça peut être intéressant si par exemple tu as plusieurs disques, tu rajoutes des disques sur ton système, tu rajoutes des disques, donc du coup ton interface, et tu as besoin en fait de dire que tu veux aussi resize ces disques que tu as rajoutés, parce que par défaut il va resize que ton disque principal, ou bien ton système. Et tu pourrais dans la doc dire ce disque aussi, si le disque a été agrandi, tu agrandis la partition. Donc en théorie tu pourrais avoir besoin de configurer ça. Si tu veux simplifier la vie et pas exécuter tes commandes de resize à la main avec Ansible. C'est tout bon? Et bien, talk suivant pour Rémi et des enquêtes numériques. Bonsoir. Donc je suis venu aujourd'hui vous parler de mon métier, donc c'est une courte intro, hein. Ça aurait pu aussi s'appeler 40 raisons de ne pas utiliser Windows quand vous faites des conneries. Donc dans la vie de tous les jours, je fais majoritairement du forensique, donc c'est aller chercher des trucs dans les systèmes, et surtout les systèmes Windows. Donc concrètement, il y a plein de boîtes à outils qui existent, qui permettent de faire de la collection de ce qu'on appelle des artefacts. Donc ce sont tous les petits trucs que votre système il laisse à gauche et à droite et qui nous permettent de remonter les traces. Donc il y a des trucs qui font tout seul. Moi je suis assez partisan du dernier là. Avec DD, un shell et des doigts, on arrive à faire assez bien le travail. C'est un travail qui concerne majoritairement la préservation des systèmes et des preuves. Donc si on est en face, par exemple, on a tel utilisateur qui est suspecté d'avoir volé de la donnée, un super brevet, qui a volé la configuration de Cloud Init de Claude, ce genre de truc. Ou en cas de piratage, tiens, on a trouvé une adresse IP, on fait un raid chez la personne, on sort la machine. Comment on va faire derrière pour essayer de monter un dossier. Pour ça, il faut essayer de préserver un peu les preuves. Donc, j'avais la jolie police line au début. C'est exactement ça. Donc là, vous avez toutes les mauvaises idées. Tiens, je vais faire un tardé logs. Non, parce que ça met à jour toutes les dates d'accès. Je vais me connecter pour vérifier. À chaque fois que vous vous connectez sur un système, vous avez les profiles et tout qui sont chargés. Donc vous mettez à jour plein de fichiers. Éteindre la machine, c'est vous passer par le dernier niveau d'init ou par les scripts de clean qui sont à la fin. Vous mettez à jour tout ce qui est SSD ou redémarrage, etc. Donc, typiquement, si vous avez une bonne idée, oubliez-la. Voilà. Donc, dis-je, comment ça fonctionne un ordinateur? Donc, c'est un truc qui fonctionne avec un truc, qui fonctionne avec un truc, qui fonctionne avec un truc. Donc, si on est adepte de ski, on peut faire un truc comme ça. Vous avez la piste noire, tout ce qui est matériel. Généralement, on évite de mettre les mains dedans. Le kernel, généralement, on évite de mettre les mains dedans. Après, il y a le user land, là ça commence à aller, on commence à se dire, ouais, il y a des API, on va y toucher un peu. Et on a toute la GUI, donc là, si vous êtes mémé de Bigorre, c'est génial. Le truc, c'est que chaque étape va générer des traces, en fait, qu'on va pouvoir venir collecter. Donc, un disque dur, comment ça fonctionne? Pareil, vous avez les plateaux magnétiques, vous avez les partitions, un file system et des trucs dessus. Pareil, chaque niveau va fournir des marqueurs. Par exemple, les datas, si vous avez un fichier exécutable Windows, il va commencer par MZ. Si vous avez un GIF, il va commencer par GIF. Si vous avez une partition, vous avez le 12, etc. Et vous avez un joli pilotage de l'adressage physique des secteurs de votre truc et de l'adressage logique des différentes partitions. Quand vous faites un DD, vous avez l'impression que c'est transparent quand vous dumpez un fichier, mais en fait, lui, il va aller chercher à plusieurs endroits du disque, et donc il y a tout un fonctionnement de comment on retrouve les informations, où est-ce qu'elles sont stockées, etc., sous quelle forme. C'est pas pareil sur un disque magnétique et sur un SSD, il y a de la réorganisation et tout, c'est le bordel. Moi, généralement, quand je fais les partages de forensique au travail, il me faut 3 heures par type d'artefact, donc ça va aller un peu vite. On a un truc super important. Moi je suis un peu vieux jeu, j'aime bien les RFC. Donc il y a une RFC qui existe, qui définit comment on fait de la collecte, dans quel ordre, qu'est-ce qu'il faut récupérer, pas récupérer,
de quoi on a besoin. Typiquement, le but en forensique, c'est d'aller chercher la donnée dont on a besoin. Ça sert à rien de faire un dump du disque complet si on va aller pas chercher dans tout ce qui n'est pas alloué, si on ne veut pas faire data carving, etc. Autant aller chercher directement l'information là où elle est. Donc, qu'est-ce qui s'efface en premier ? Les registres, ça bouge tout le temps. Les tables de routage, les caches, les tables de process, les stats du kernel. On est sur des trucs, à chaque instruction, il se passe des choses. Et donc, en quelques secondes, vous perdez un grand nombre d'informations, surtout si c'est un serveur qui est exposé sur Internet. On a les informations qui tournent très très vite. Après, vous avez les trucs qui tournent un peu moins vite. Le système TMP, le disque lui-même, vos fichiers qui sont dessus, les monitoring de tout ce qui est dehors, et les configurations physiques, vos fichiers de conf, toutes les archives qui sont potentiellement à l'extérieur de votre machine. Donc pour collecter les artefacts, il y a plein de trucs sous Windows. Donc vous avez les ruches, tous les registres Windows, vous avez des fichiers, des points date, des points SQL, les fichiers ADS, là vous avez un joli encart rouge, c'est un très bon exemple de ce que c'est un Alternate Data Stream. Quand vous téléchargez un fichier depuis Internet, en fait il est marqué. Si vous regardez le contenu de votre fichier, il n'est pas différent de si vous le téléchargez ou pas. Et en fait c'est un petit bout dans le descripteur du fichier qui va vous dire « Attention, il y a une information supplémentaire parce que ça a été mis à jour depuis un autre ordinateur, etc. » Après, vous avez les dates, vous avez le créer, le modifier, le accéder. Ça, c'est le NTFS qui va vous le donner, donc votre système de fichier. Bien sûr, c'est pas pareil sur un EXT4. Et vous avez genre tout ce qui est des raccourcis. On voit les emplacements réseau, là, c'est tout construit à coup de LNK. Donc ce qui est super bien, c'est que même si je supprime le fichier, le LNK, lui, va rester. Effacer ces traces, c'est très compliqué sous Windows. Après, on va avoir tout le file system qu'il y a au-dessus, comment ils gèrent les fichiers, où est-ce qu'ils sont, etc. Ça donne plein de pistes. Vous avez tout ce qui n'est pas alloué, genre vous avez supprimé un fichier, vous avez en fait enlevé le descripteur de fichier qui va vous dire « allez regarder à tel endroit », mais sur le disque, il y aura toujours les données. Après, vous avez les event files, il y en a plus de 500 par système Windows, et vous avez les petits thumbs, donc les petites miniatures qui sont calculées, qui vous disent qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un PDF, est-ce que c'est une image, la miniature de l'image, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut calculer quand on a tous ces trucs ? Donc, le téléchargement des fichiers. Donc, pour un téléchargement de fichiers, on peut avoir où est-ce qu'il a été téléchargé, est-ce que c'est depuis un emplacement réseau, est-ce que c'est depuis Internet ? On peut avoir le navigateur, quel navigateur l'a téléchargé, les fichiers du navigateur qui disent comment on l'a téléchargé, le dossier dans lequel il y a le dossier, le dans lequel il y a le contenu. On va avoir l'OpenSaveMRU, donc c'est la most recent used. C'est une liste qui enregistre, qui va contenir tous les trucs que vous avez récemment ouverts ou sauvegardés. Donc là, on a une liste, c'est assez long aussi. Après, on va avoir tout ce qui est exécution de programme. Donc, pour l'exécution de programme, on est capable d'aller jusqu'à combien de temps vous avez passé avec la fenêtre au premier plan, combien de temps elle a tourné au dernier plan, qui est l'utilisateur qui a lancé la fenêtre. Donc, dans le cas d'un malware, par exemple, qui se fout en background, qui n'a pas d'affichage graphique, ou d'un overlay, on est capable de dire exactement combien de temps ça a tourné, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de GUI. Après, il y a dans la taskbar en bas, la taskbar, elle enregistre à chaque fois que vous cliquez sur la petite icône qui vous redonne le focus, etc. Donc elle tient une liste de tout ce qui a été ouvert dans la taskbar, de quand, de combien de temps, etc. Vous avez toutes les récentes apps, donc comme je vous ai montré pour les emplacements récents, vous avez la même chose pour toutes les applications. À chaque fois que vous lancez une application, ça vous fait un LNK dans les récents. Et après, vous avez tout le last visited IMRU. Donc c'est Most Recent Use, et c'est pour chaque fichier, ça va vous dire quelle application l'a ouverte. Donc vous voyez que juste pour l'exécution, j'ai au minimum 6 emplacements où Windows met le truc, et c'est à peu près ça pour tout. Sur la délétion, c'est pareil, on va avoir le moteur d'indexation de Windows, on va avoir la poubelle, on va avoir les thumbs, on va avoir les icônes, on va avoir le last visited, on va avoir la table de fichiers NTFS. Donc c'est une mine d'informations qui est assez riche. On peut aller aussi sur les emplacements physiques.
vers quel Wi-Fi vous vous êtes baladé, même si vous n'êtes pas connecté dessus, quand vous les avez listés, votre Windows va noter ce que vous avez listé. Donc pour vous faire, par exemple, machin, il est allé au McDo pour pirater un tel, c'est facile de faire la timeline et de dire, bah tiens, telle time zone correspond bien au pays où on pensait qu'il était, il s'est bien approché de tel type de Wi-Fi, il s'est connecté de telle façon. Si vous branchez le câble réseau, c'est pareil, il y a des événements qui sont générés. Et vous avez tout l'historique de votre carte Wi-Fi, quand est-ce qu'elle a été allumée, éteinte, quand est-ce que vous faites des appairages. Ensuite, vous avez tous les fichiers et dossiers. Quand vous ouvrez ou vous fermez un fichier, vous avez de l'information. L'account, à chaque fois que vous loguez, que vous plantez sur mot de passe, le type de login, si c'est un login en PSXL, si c'est un login via la GUI, si c'est la login par un service, c'est pas pareil, on peut revoir tout ça. Et pour l'USB, on va avoir le device, le type de device, le constructeur du device, combien de temps il a été monté, les shortcuts, etc. Donc avec ça, on peut constituer un dossier juridique. Donc typiquement, ça permet d'infirmer ou de confirmer des scénarios techniques. Pourquoi infirmer? Parce que généralement, la première défense, c'est « ouais, mais j'avais un malware sur ma machine, du coup, c'est pas moi qui l'ai fait ». Or, la juridiction française, elle dit « vous devez prouver qu'il y a l'intention de nuire pour pouvoir monter le dossier ». Donc, il faut aussi démonter presque systématiquement cet argument-là. Donc, vous voyez que sur les différents trucs que je vous ai notés, on peut retrouver les informations qui vont nous permettre d'infirmer ou de confirmer les différentes hypothèses. Par exemple, il y a des gens qui vont infecter leur machine volontairement pour dire que c'est la faute du malware. Sauf que nous, avec la MFT, on peut prouver que ce n'est pas le malware qui a sorti les fichiers. Donc les preuves impliquent de grandes responsabilités. Donc pour fournir un dossier qui est recevable, il faut garantir l'intégrité. Il faut prouver que c'est bien la bonne personne derrière l'ordinateur. Il faut que ça soit recevable. C'est-à-dire que si j'arrive, que je vous vole votre machine pour faire du forensique dessus, ben ça ne va pas être recevable. Il faut qu'on puisse vous l'imputer à vous, et il faut pouvoir le reproduire. C'est-à-dire, si je donne votre machine à un autre analyste forensique qui soit capable de donner exactement la même analyse que moi avec votre machine. Donc la MFT, ça vous donne les dates de création, de modification et d'accès de tous les fichiers et de leur nom. Donc là, typiquement, on voit des dates qui ne sont pas cohérentes. C'est qu'on va copier des fichiers qui ont été créés plus tôt, ou plus tard. On voit là un fichier qui a été créé en 2016, mais dont la date de modification est 2015. Donc la MFT, ça contient des centaines de milliers de trucs, donc tous les LNK, tous les fichiers, tous les dossiers, tout. J'aurais bien aimé vous montrer plein de trucs, mais on va pas avoir le temps. Donc il y a plein de formats spécifiques Windows. Là, on voit des jolis trucs en .rkr. C'est qu'il fait du RAW 13 pour essayer de cacher des trucs. En fait, c'est des points .exe. Hein. C'est tous les lancements des points .exe. Après, vous avez des jolis ex-dump de l'AMFT qui piquent les yeux. Vous avez des heures de visionnage de log, parce que vous avez 500 fichiers de log à lire de 21 mégas chacun. Pas le temps pour non plus les places.sql, donc l'historique de votre navigateur, qui vous permet de savoir qu'est-ce que vous avez téléchargé, si vous avez cliqué sur un lien, si vous avez été redirigé. Des timestamps. Et voilà, merci. Dans 2 minutes, il y a des questions. Ouais. Si tu avais un outil à conseiller, pourriez-vous ou pour les utilisateurs lambda sur du Windows pour les 5 et 10 outils? Sur quoi? Sur du Windows, du coup, parce que toi, tu fais tout à la main. Oui, majoritairement. Et s'il y avait un type d'outil en fait open source que vous pouvez conseiller pour faire du forensique? Alors il y a DefiOrc qui marche très bien. Moi j'utilise Fastier, ça génère des CSV qui sont super bien. C'est un outil du CERT Sequoia qui est en open source. Ça a l'avantage d'être en Python et de ne pas utiliser les API Windows. Parce que là c'est un truc que je ne vous ai pas dit, mais si vous êtes sur un système qui est compromis, vous ne pouvez pas faire confiance à Windows non plus. Donc il y a un moment où il va falloir collecter le plus proche possible du disque et le plus proche possible du kernel et de la zone noire finalement
pour avoir des résultats cohérents et reproductibles. C'est pas du tout la même chose. Des FRR qui va te donner plus des artefacts bruts, il faudra faire un traitement en plus par-dessus. D'autres questions ? Ouais. Il y a quand même beaucoup de compétences très techniques, ça a l'air assez compliqué, mais est-ce que quand tu arrives à un niveau de compétences vraiment professionnel, c'est un métier qui, tu penses, va encore évoluer, a tendance à beaucoup évoluer, ou c'est quelque chose sur lequel tu peux dérouler une fois que tu as un certain niveau ? Y a une partie que tu déroules, typiquement il y a des artefacts qui sont là depuis Windows XP qui n'ont pas changé. Après il y a des artefacts qui sont introduits à chaque nouvelle version de l'OS. Et bien sûr, à chaque fois que tu as un file system, un type de device, etc., tu as toujours des technos qui sont nouvelles. Donc si tu me dis, va prouver que telle personne elle s'est authentifiée sur Facebook avec sa YubiKey, il va falloir que je fasse du forensic du proto qui va bien, de la façon de storer les clés, etc., et que j'arrive à prouver toute la chaîne. Donc après, c'est vraiment du spécifique coup par coup. D'autres questions ? Ça rejoint un peu la question précédente, mais du coup, est-ce qu'il y a des cas où tu es amené à dire non, je peux pas, j'imagine, je peux pas répondre à votre demande, ou je peux pas infirmer ou confirmer ? Tout à fait. Le cas où tu vas dumper un Windows et c'est un Linux, non, je plaisante. Mais typiquement, oui, il y a des fois où on n'a pas les artefacts, il y a des fois où c'est pas la bonne machine que tu as récupérée, par exemple. C'est un cas tout bête, hein. La personne a deux machines, tu dis aller chercher la machine de cette personne et ils saisissent pas la bonne. Ben, c'est pas de bol, mais tu peux pas répondre à la question. Ou tu as un cas qui est très orienté web et tu n'as plus les artefacts web. Tu peux prouver qu'il y a eu de la préparation, mais tu peux pas prouver qu'il y a eu de l'exfiltration. Alors après, tu vas te baser sur des éléments externes au système, et là, ça dépend de la maturité de ton entreprise. Si tu es en PME, tu n'auras pas d'équipement de supervision de ton réseau, et ça sera un peu mort. Il faut savoir que Windows, des fois même quand tu n'as pas les réponses, Windows te tient des snapshots de la machine. Du coup, tu peux aller chercher dans les snapshots des vieux états. Donc des fois, on a des utilisateurs qui suppriment tout, pris de panique, et puis en fait, on remonte quand même au problème. Okay. Merci. Merci. Du coup, la bête va être ouverte. Là. Donc si vous voulez regarder l'intérieur et distribution de framboises, c'est ça ? J'ai pas de bouger des Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher et. Lui là ? Ah j'ai un peu. Sinon, il y a le buffet qui est là.